Pour cette nouvelle session d'essai en Martinique avec grandautomobile.fr. Vous allez découvrir dans les jours à venir que de très beaux rendez-vous nous attendent sur ce média avec des essais de super véhicules qui font leurs preuves sur notre marché local, mais pas seulement, et des voitures qui sortent, qui évoluent tant du point de vue stylistique que de celui de leur fiabilité. C'est le cas ce matin de cette DS7 qui est le VUS le plus vendu par la marque premium française. Fini le préfixe crossback d'ailleurs. Et pour la proue, on découvre immédiatement qu'elle a été conçue dans l'esprit des tout derniers modèles DS. Un style chic, assumé, qui sent bon le luxe à la française. À vous de voir. Donc nous, on part de chez DS Martinique pour arriver ici. Et puis, donc vous la faire essayer sur les routes de Martinique. Cette DS7 me donne toujours un léger frisson à son approche. Je vous l'ai souvent dit ou écrit, ce modèle regroupe tout ce que le constructeur a fait de mieux pour attirer une clientèle de cadres jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, eux-mêmes dynamiques et en mal de lignes pures et de charme intérieur discret. Ceci accro aussi d'un confort luxueux mais pratique avec des touches high-tech comme pour notre DS7 restylé, ce fameux chronographe BRM. Il y a aussi les sièges Alcantara ou le cuir pleine fleur Napa. Les ingénieurs DS semblent atteints de l'obsession du détail, ce qui rend ce véhicule plutôt envoûtant et terriblement premium. Regardez. Et si on va sur le thème de la finition cuir, il convient de noter que même les dossiers des sièges et les parties non tactiles des cartes de porte sont recouvertes de cuir, ainsi que des gaufrages de haute qualité et même des coutures sur les zones perforées. Les amateurs de maroquinerie et de haute couture française apprécieront certainement aussi ce détail. Le DS7 2023 restylé offre le choix de cuir élargi, donc il est devenu plus facile de personnaliser l'intérieur. On voit aussi sur ce véhicule une nouvelle signature visuelle concernant les feux. Des feux de position qui donnent un côté également très racé avec leurs 5 verticales qui permettent d'avoir un côté en design qui attire l'œil et qui donne un côté très racé au véhicule. Et ça, honnêtement, visuellement parlant, c'est très sympa.
Une version diesel avec un moteur de 1,5 litre d'une capacité de 130 chevaux est encore disponible. Les options purement essence ne sont pas disponibles en Europe, mais les versions avec des moteurs à 1,2 litre 130 chevaux ou 1,6 litre 215 ou 225 chevaux sont vendues hors de nos frontières. En Europe, donc, l'accent est désormais mis sur les hybrides rechargeables e-tense. Il existe désormais trois modifications réalisées sur la base d'un moteur turbo à essence de 1,6 litre et d'une transmission automatique hydromécanique à 8 vitesses. Tous les hybrides ont reçu une nouvelle batterie lithium-ion d'une capacité portée de 13,2 à 14,2 kWh et une autonomie en traction électrique portée à 65 km. Auparavant, elle était donc d'environ 50 km. La version traction avant e-tense 225 de notre essai dispose d'un seul moteur électrique sur l'essieu avant et produit un maximum donc de 225 chevaux. Vous le savez maintenant, ce fleuron du luxe à la française se doit de l'être également sur le plan technologique. Dans notre nouvelle version de 225 chevaux, elle profite d'une nouvelle batterie donc de 14,2 kWh, je vous l'ai dit, la capacité améliorée de 8%, annonçant donc une autonomie en cycle mixte de 65 km. Alors que certains modèles sont parfois loin des valeurs constantes annoncées, celui-ci tient ses promesses, le DS7. Et sur notre parcours entre la concession et le marin, j'ai roulé à 80% donc en tout électrique. Également le mot crossback sur cette ligne-là, car le crossback disparaît complètement pour laisser place tout simplement à DS Automobile. Écran 12 pouces, revu, donc le graphisme revu entièrement. Et on a particulièrement, quand on passe la marche arrière, on a donc la caméra de recul et qui est en 4K. Donc c'est vraiment une caméra qui est exceptionnelle. Donc ça donne une impression, vous le verrez sur les images, qui est assez géniale. Au-delà des valeurs premium et de son confort, c'est au volant que le nouveau DS7 révèle l'étendue de ses qualités premium. Viennent très vite se marier la vraie performance de la technologie hybride au confort et des qualités routières issues du savoir-faire de Stellantis. Pour le mariage d'une bonne transition entre l'électrique et le thermique, le DS7 suggère une conduite plus sportive, d'autant que son châssis aborde chaque virage environ presque parfaitement à plat.
de série. Il se crédibilise d'autant plus avec le DS Active Scan Suspension, un système de suspension intelligent scannant en temps réel les imperfections de la chaussée, chez nous parfois insupportables, par le biais donc de capteurs et d'une caméra logée en haut du pare-brise pour ajuster indépendamment chaque roue. Cette rigueur de comportement s'accompagne d'une boîte automatique bien étagée et dont le maniement du levier Cobra tombe mieux sous la main que le minimissime, c'est un mot que j'invente bien sûr, minimissime sélecteur en aluminium des récents modèles du groupe. Le mieux que vous ayez à faire dans l'heure, eh bien, c'est d'essayer vous-même ce modèle DS7, cette nouvelle bouture restylée, et de vérifier par vous-même mes très très bonnes impressions. À très vite. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous, fixer rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur Maxi Martinique, 107.1 et 107.3 FM, à 7h05 et 8h05 pour l'instant auto qui brosse eh bien, le marché automobile local, international et national bien évidemment. Je vous donne également rendez-vous dans notre grand talk show du vendredi soir sur la même radio, Maxi Martinique, 107.1, 107.3 FM, mais diffusé en simultané sur grandautomobile.fr vidéo. Eh bien, je vous donne rendez-vous donc pour la grande émission automoto, les expertes et les experts qui vous attendent donc chaque vendredi soir à 19h. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt.